Bonsoir, bonsoir, mes chers abonnés. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Voilà, ce soir, je viens partager avec vous quelques prières que vous pouvez faire le soir avant de vous coucher, pendant la journée ou pendant des moments où vous traversez des situations très très difficiles. Ces prières que je vais vous proposer ce soir, c'est des prières de somme pour pouvoir vous venger contre l'ennemi et pour pouvoir demander au Père de retourner à l'ennemi le mal qu'il vous fait dans votre vie. Ces psaumes que je vais vous donner, ces deux psaumes que je vais vous donner aussi, c'est pour détruire tous les plans de l'ennemi dans votre vie. Je sais que parmi nous, il y a beaucoup de personnes qui souffrent régulièrement des attaques de l'ennemi, des attaques des personnes mal intentionnées qui ne veulent pas les voir avancer. Le secret qu'il y a dans les psaumes que je vais vous donner sera une grande bénédiction pour vous. Déjà, pour commencer, je demande à tous ceux qui vont suivre cette vidéo pour que je puisse les aider dans leur combat spirituel, pour que je puisse les accompagner dans la prière. Vous pouvez laisser en commentaire votre requête ou votre sujet de prière pour le combat spirituel. Je vais prier un à un pour chacun dans le secret. Mais vous devez savoir qu'en laissant vos requêtes, vous devez être bien clair. Écrivez intégralement quel est votre sujet de prière. Je prie pour beaucoup, mais je n'arrive pas à prier pour certains parce que je ne peux pas bien lire et comprendre ce qu'ils demandent dans leur requête de prière. Ce soir, je viens par cette prière vous dire que l'Éternel nous donne la possibilité à ses enfants de se battre, donne la possibilité d'anéantir et détruire l'ennemi qui veut assombrir et gâcher nos vies. Par ces psaumes-ci que je vais vous donner, quand vous allez les réciter, je vous demande de le faire pendant 21 jours, chaque soir, le matin ou le soir, quand vous voulez. C'est une série de psaumes, ces deux psaumes. Si vous les récitez chaque jour, vous allez voir les ennemis de vos vies tomber tout doucement, faiblir et libérer complètement votre existence. Pendant les 21 jours que vous allez faire ces psaumes régulièrement, prenez aussi l'habitude pendant ce temps-là d'éviter toute action ou toute chose qui va empêcher que votre vie spirituelle ou votre spiritualité puisse être claire. Par exemple, évitez les abus, évitez l'alcool, évitez les mauvaises fréquentations, évitez la mauvaise langue, c'est-à-dire de vous disputer avec des gens. Évitez aussi la sexualité non contrôlée. Ceci va vous aider à mieux élever vos prières et l'Éternel va battre le combat pour vous. Le premier psaume que je vais vous donner, c'est le psaume 3. Le psaume 3, je vais lire avec vous. Il y a le psaume 3 et le psaume 129. C'est les deux psaumes que je vais vous donner pour détruire les œuvres de l'ennemi dans vos vies. Le psaume 3 dit: Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi! Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu me relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades des peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Ça, c'est le psaume 23. Vous allez lire ensuite le psaume 129.
23 et 129. Chaque jour pendant 21 jours, vous allez voir la grâce et la merveille du Dieu créateur dans vos vies. Le psaume 129. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise, ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants. Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent tous ceux qui haïssent Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'en remplit point sa main. Celui qui lit les gerbes n'en charge point son bras. Et les passants ne disent point « Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous, nous vous bénissons au nom de l'Éternel. » Vous voyez vous-même, ces deux psaumes, ce sont des psaumes vraiment où l'Éternel va venger pour vous, l'Éternel va se mettre au combat pour changer la situation de votre vie. Je vous demande pour tous ceux qui n'ont pas la possibilité de faire la prière le soir avant de se coucher ou qui veut faire d'autres psaumes avant de se coucher, faites cette prière le matin, arrangez-vous pendant les 21 jours à faire lire ces deux psaumes au moins une fois pendant la journée. Évitez tout abus d'alcool, toute dispute, ne vous disputez pas avec des personnes. Ayez une certaine discipline au niveau de votre sexualité. Vous allez voir, l'Éternel va se lever pour vous et ce qu'il est écrit dans le psaume 3, la gifle qu'il doit donner à l'ennemi pour pouvoir le corriger du mal qu'il est en train de vous faire alors que vous n'avez même pas, vous ne l'avez pas attaqué. Il fait ce mal-là sans que vous n'ayez provoqué ce mal. L'ennemi recevra cette gifle de l'Éternel et il va laisser votre vie. Quand vous faites vos prières avec foi, faites vos prières avec confiance. Vous devez savoir que le Père qu'on prie est le Tout-Puissant, c'est le Dieu qui est au-dessus de tout, c'est le Dieu qui contrôle tout, c'est le Dieu qui a tout entre ses mains. Il suffit juste une intervention de lui et tout ennemi de vos vies vont vous libérer et vous lâcher. J'encourage toutes les personnes qui sont là à cette vidéo. Premièrement, pour montrer que vous êtes, que vous adhérez vraiment à cette prière et que vous avez la foi que cette prière va vous libérer de vos ennemis, vous pouvez mettre en commentaire « Amen » et laisser vos requêtes de prière. Ainsi, je vais prier pour chacun dans le secret pour vous aider dans votre combat spirituel. Sur ce, mes chers abonnés, je vous souhaite encore un bon dimanche. Rendez-vous demain matin pour la vidéo et la prière du matin. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom.